Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Tales of Arise, où on était en train d'explorer cette petite cavernounette où, apparemment, il y a un zeugle géant qui a empoisonné les poissons, et donc, Shione ne pourra pas les manger, donc elle n'est pas contente. Parce que vous savez qu'elle veut tout bouffer. Pardon ? J'ai cru lire niveau 54. D'accord. Ok. Alors. Ok. Donc. Voilà. écoutez. Nous devions faire cette quête, mais. Au vu. Mais c'est trop bien, on peut passer à travers. Tel des sacs à merde. Alors on va tenter de passer à travers tous les mobs. Tel des sacs à merde pour aller chercher l'objet. Qui est là, le coffre. J'ai vu le coffre. Je sais qu'il y a un coffre. On va essayer d'aller chercher tous les objets les plus puissants. Oh là là, tellement d'objets. Tellement de nouveaux objets. Vas-y, 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 vas-y. Cours. Oui, chionné. Voilà. Non, je veux. Donne-nous la résurrection, trop bien. Cassons-nous. Alors, on va se casser parce qu'il y a un boss au bout et qu'on n'y arrivera pas. Hein. Si déjà on n'arrive pas à tuer les petits mobs, ça sert à rien. Mais voilà, on a eu le corps. Tel des sacs à merde. Évidemment. Ok, donc ça, c'est pas possible. On va aller faire ça. Donc, il vaut mieux qu'on arrive de là, je pense. Grotte. La cascade, elle est où? Entrée de la cascade. Ouais, on va aller là. On était en train de faire les quêtes secondaires, hein, je vous le rappelle, pour évidemment gagner des levels, parce que on doit aller sur l'Enigis maintenant. Et je suppute que aller sur l'Enigis sera la fin du jeu. Donc on veut faire le maximum de quêtes secondaires afin de compléter au maximum le jeu. Voilà. Alors, nous dit-on que c'est au-dessus de toute façon, donc on va tabasser les monstres et puis tout ira bien. Ok. Level 32. D'accord. J'aime bien. Ça c'est très très bien pour farmer les... Vous savez, les arts, l'augmentation des arts, les petits monstres. Oh pardon, il y en a encore un livre. Je l'ai pas vu. Il est où? Ah, il est mort. On ne sait pas des fois où ils sont hein, quand on est en train de les défoncer. Ok. Je fais pas du farm pour avoir des objets, hein. Clairement pas. Je fais clairement du farm. Je fais même pas de farm en fait, c'est juste le jeu qui m'oblige à farmer. Parce que regardez, on y est presque. On y est presque, plus que 500 crocs démoniaques. On aura atteint le niveau max. On va y aller, on va y arriver. Vas-y ma belle Shione. On avance. Des mobs. En même temps, on prend des tomates. Très important, les tomates, c'est très bon les tomates. Mangez-en. Bah écoutez. Trop facile. Hop. Voilà. Ça c'était du combat rondement mené. Bravo Shione encore une fois. Mais j'adore tellement moi les attaques ultimes là où on saute et on fait tout péter. C'est trop bien comme jeu. Moi je veux des jeux que comme ça. Où on fait tout exploser. Est-ce que c'est là? Non, toujours pas. Parce que je sais qu'en fait je dois aller tabasser des petits mobs à la con pour une quête. Donc ah oui c'est vrai, eux c'est des victimes. Attendez. Voilà. Je vais te victimiser mon ami. Hop 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 hop. Moi je vais spammer de toute façon toute ma vie mon attaque carrée là pour l'avoir à fond.
vous le savez. Je veux au moins avoir un art à fond pour voir ce que ça fait. Est-ce qu'on débloque un super art ou pas? Je ne sais pas. Imaginez, vous débloquez l'art, mais en mode Super Saiyan, et vous devez bien farmer tous les arts pour avoir 12 milliards d'attaques encore plus fortes. Ce serait tellement bien. Mais bon. Ça va être là. C'est ces saloperies là qu'il faut tuer. Ouais. C'est ces saloperies là qu'il faut tuer, là, les petites moulins là. Dégueulasse. Allez, on y va. Bonjour. Ah, pardon, c'est lui qui est visé. Alors. Eh oh, il va se calmer, Jackie. Hein. Voilà. Hop. Très bien. Hop, 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 hop. Eh oh, va se calmer, Jackie. Moi, je te le dis. Allez. C'est vous. Ah, c'est vous. Et je vous dis, hein, moi je vais spammer le carré parce que c'est celui où on est le plus près. Hop là. Non, Chione, ne saute pas comme ça, tu es si belle. Chione, la waifu de tous les temps. Hop. Oh, des mobs. Merde. C'était tellement imprévu. Ah, pardon. Excusez-moi. Eh hey oh! Scanner les Jackie là! Pourquoi je peux plus taper? Merci! Hop 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 hop! Hop là! Allez! Ah, parce qu'il faut quand même faire les grosses attaques, arriver à un moment, sinon vous ne comprendriez pas. Vous allez vous dire quoi? Il fait plus les grosses attaques? Mais si, toujours! Toujours! Ever! Pareil. Bonjour. C'est combien que j'en tue? 5 je crois. Ces saloperies là. De merde. Trop facile. Vas-y. C'est juste pour parce que j'aime bien. Le monsieur il est pas dans le... Je suis pas du tout dans l'excès hein, de la destruction atomique. Ok, oui, Kill Geyser, très bien. Hop, 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 hop. Ah, il n'y en a pas d'autres, merde. Connerie. On arrête là. Alors, hop. Et oh, oh, oh. Voilà. Moi je recharge et je refais. On se calme le Jackie s'il te plaît. Voilà, merci. Ah, il faut pas que ça touche, hein. il faut juste les envoyer normalement. Donc on s'en fout en fait. Faut juste spammer comme un âne. Ok, bon, ici ils sont tous morts. Ça m'ennuie qu'il n'y en ait pas plus des petites bestioles déchaînées là. Je dois en tuer 5 je crois. Il n'y en avait que 3. Alors est-ce que au-dessus ça passe aussi ou pas? C'est ça la question. Sinon je vais attendre qu'elle repop quoi, ça va me m'enquiquiner ça. Non. Ah là là. Faut que j'attende qu'elle repop quoi. C'est sérieux? Le jeu est sérieux. Vous avez pu en mettre 5 quand même, hein. Un badge de 5. C'est bien 5 que je dois en tuer, je parie. Où est-ce qu'on voit les quêtes en cours? Rendez-vous à Luzubek. Oui, mais en fait... Attendez. Quêtes secondaires. Où sont les quêtes déjà? Je ne sais même. Pas d'autres compétences. Ce serait bien aussi d'aller les voir. Il ne sait plus où est-ce qu'il voit ses quêtes dans le jeu. Alors, les lieux, zoom, détail des icônes. Alors, on va juste regarder. Ouais, et là on le sait pas en fait. Vas-y. Ah non, c'est pas une... Merde. Je vais redescendre et je vais fouiller. Parce que je veux les tuer moi.
T'inquiète pas, chionner, ça fait pas mal. T'es juste cassé les genoux. C'est pas très très grave. Les genoux, c'est pas très utile dans la vie. Tiens, j'ai pas été chercher ça. Intéressant. Le AK oublie des trucs. Sérieux, il y en a pas deux autres, quoi? Il y a pas deux autres petites merdes? Si, voilà. Je me disais bien que le jeu pouvait pas être aussi mauvais. Le jeu est forcément bien. C'est Tales of Arise. Allez. Alors, juste pour marrer. Pardon. C'était complètement inutile, mais ce n'est pas grave. On aime bien faire des choses inutiles. De toute façon, voilà. Voilà, vous voyez, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Retournez voir la cliente. Oui, on va y aller. Hop. Alors, question. Question. Je crois qu'elle était à Pelegion, la cliente. Oui, ça non. C'est ça. Retournons à Pelegion et après on va aller faire le niveau 3. Voilà, comme ça on aura fait... normalement, on aura fait quasiment, sauf celle, bah ils sont niveau 54 donc on peut pas trop aller les faire pour le moment, mais on aura fait tout Ganatarath. Alors peut-être qu'après les Negis, on peut revenir sur ici. Hein. Comment ça s'est passé avec les bestioles? Très bien. On t'en a ramené quelques-unes. Super, je peux voir? Ouah, les voilà. Mes petites bestioles adorables. Je ne te comprends toujours pas. Merci beaucoup. Grâce à ces petits spécimens qui vont me servir de modèle, je vais pouvoir créer toute une collection d'images et de peluches. Et quand mes créations commenceront à se vendre, je deviendrai une célébrité. En voilà une qui a tout compris. Cette ville est entre de bonnes mains. Je le pense vraiment. Merci pour votre aide. Je vais faire de ces bestioles les mascottes de notre ville. Avec plaisir. Je serai la première à acheter une de tes peluches dès qu'elles seront prêtes. Oh, le pauvre petit. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Bah, il est pas content. C'est tout. Pelegion, niveau 3. Il faut trouver le fiancé de Jacqueline. Bonjour Jackie. C'est un plaisir de vous revoir, Gagné. Je vois que vous vous portez bien. Ah tiens, vous revoilà vous. Ne vous en faites pas, je ne suis pas mort de faim. Depuis la dernière fois, j'ai beaucoup réfléchi. À ce que ça coûte d'accorder sa confiance à quelqu'un. Voilà un sujet de réflexion d'une ampleur considérable. Pardonnez-nous de vous interrompre, mais nous aurions besoin de votre aide. Nous cherchons tous les rapports et les dossiers que les forces régniennes tenaient à jour. Sauriez-vous où ils pourraient être aujourd'hui? Des rapports? Comme ceci? Ah, précisément, merci. Vous nous épargnez bien des efforts et beaucoup de temps. Je vous en prie, je sais que vous les utiliserez à bon escient. Mais oui, évidemment. Alors, Nocio. Ah, nous y voilà. Mission, localiser le seigneur Volran. Dernière transmission reçue depuis la Menencia. Semblerait qu'après cela, les communications aient été interrompues. Il a été déclaré disparu depuis un moment déjà. Cela n'augure rien de bon. Nous n'aurons aucun mal à passer cette région au peigne fin. Mais de là à le retrouver. Dans l'endroit où il a été envoyé, est-ce qu'il ne pourrait pas s'agir du soldat que nous avons rencontré près de l'étang? Il tient probablement une piste chionnée. Aurais-tu l'obligeance de nous guider jusque-là? Bien sûr. Mais tu me devrais une fière chandelle. Ah, Chionne! Hello! Grotte, non. Forêt des hiboux. Alors. Ici, on n'a pas de quête en Cislodia. On n'a pas de quête à aller chercher en Calaglia. On aura des quêtes en Menencia. D'accord. Là, on en a deux déjà à faire. On aura des quêtes à Madaxar. Et à Ganetaros, on n'en aura plus. Très bien. Eh bien, vu qu'on doit aller à l'étang de Tolka, eh bien, allons-y et on fera les quêtes de la Menencia par la même occasion. Ou alors on va d'abord en Manaxar parce qu'il n'y en a qu'une. Non, Manaxar, il n'y en a qu'une. Ok. Bonjour, monsieur.
Tiens, je ne pensais pas vous revoir. Merci encore de votre aide la dernière fois. Vous avez besoin de quelque chose? Quoique vous êtes certainement venu pêcher, rien de plus. En réalité, nous sommes à la recherche d'un certain Nocio. Est-ce que vous le connaissez? Oui, c'est moi, pourquoi? Que se passe-t-il? Une femme de nom de Kagari se ronge les seins à votre sujet. C'est elle qui nous a demandé de vous retrouver. Voilà pourquoi nous sommes ici. Ah, ma douce Kagari. Ma bien-aimée, nous sommes donc toujours liés l'un à l'autre. J'apprécie que vous avez fait tout ce chemin pour venir me retrouver, vraiment. Mais il faut que vous lui disiez de tirer un trait sur moi. Comment? Non, mais pourquoi? Il existe des explications. Votre amour pour elle s'est-il envolé? Non, mais si je rentre, je serai exécuté pour abandon de poste. Et si on ne revoit jamais, il faudra que je puisse aller de l'avant. Même si je n'ai aucunement l'intention de mourir ici. Vous me prendrez peut-être pour le pire des égoïstes, mais tant pis, j'ai juré d'accomplir ma mission quoi qu'il en coûte. Seulement, à ce moment-là, je croyais qu'on serait réunis un jour, elle et moi. C'est bien noble de votre part. Allez, garde à vous, soldat. Cet esprit est exactement celui que j'espère insuffler à mes hommes. Écoutez, l'ère du tournoi de la couronne est révolue. À présent, une nouvelle ère commence, aussi bien pour les Daniens que pour les Réniens. Et je pense que vous deux symbolisez parfaitement l'avenir qui s'offre à nous. Soldat, si vous pouviez retrouver votre bien-aimé, lui promettez-vous solennellement de rester à ses côtés pour le reste de vos jours. Évidemment, je ne vis que pour ça. Excellent. Dans ce cas, je vous libère de vos obligations. Séance tenante. Je vous demande pardon. Je ne suis pas sûr de comprendre comment c'est possible. Toutes mes excuses. J'aurais dû commencer par me présenter. Je suis le seigneur Dohalim, le vainqueur du dernier tournoi de la couronne. Comme vous le savez, la société régnienne propose une hiérarchie sous ma protection. Vous ne craindrez rien pour avoir quitté votre poste. Mais si, je n'avais pas réalisé que c'était vous. Pardon. Je ne sais pas que je pourrais bien faire pour vous remercier de votre générosité. Vous n'avez rien à faire d'autre que de tenir votre engagement. Qu'attendez-vous, soldat? Qu'on va vite retrouver votre bien-aimé. Oui, oui, messire. Oui. Oui. Bien. Retournons voir Kagari. Hop. Ah, il y a tellement de quêtes à faire partout. Ok. Hop. On va aller rendre la quête. On aime bien faire les quêtes secondaires, c'est sympa. C'est pas toutes des quêtes FedEx, c'est pas toutes des quêtes de combat, il y a un peu de tout, c'est très très bien. Très très bien fait. Ah, et tu peux retirer ton armure, Jackie. Quand même, hein. Bon. Kagari, dis-moi que c'est toi. Nocio, c'est pas vrai. Et si Kagari, c'est moi, Nocio, me revoilà. Je n'arrive pas à croire que ce jour soit enfin arrivé. Quand j'ai reçu ma nouvelle affectation, j'ai bien cru que notre histoire ne survivrait pas. Mais je vais te dire, pas une seule journée ne s'est écoulée sans que j'essaie de penser à toi. Je n'arrive toujours pas à croire que tout ça soit réel, Kagari. Ma douce, ma bien-aimée, Kagari. Combien de fois est-ce que tu vas répéter mon amour à haute voix? Comme ça, ce n'est pas... Combien de fois tu vas répéter mon nom à haute voix comme ça? Ce que tu es bête, Nocio. Je suis tellement heureux de pouvoir dire avec toi... De pouvoir le dire avec toi à mes côtés, pardon. Je suis tellement heureux de pouvoir le dire avec toi à mes côtés que je compte le répéter encore et encore, même quand tu t'en seras lassé. C'est un peu bizarre, mais ça marche. Pardon de vous interrompre pendant vos retrouvailles, mais nous allons reprendre notre route maintenant, si ce ne vous embête pas. Non, non, ne vous sentez pas obligé de partir, s'il vous plaît, laissez-nous vous remercier. Oui, s'il vous plaît, ce serait très inconvenant de vous laisser partir comme ça, alors que c'est grâce à vous que nous sommes retrouvés. Dans ce cas, peut-être nous accordez-vous l'honneur d'assister à votre mariage. Hélas, je n'ai jamais assisté à un tel événement auparavant. C'est nous qui serions honorés par votre présence. Mais ce qui nous ferait le plus plaisir, ce serait que vous le célébriez, Seigneur Dohalim. Nos cultures sont si différentes qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Si vous acceptez, on sera au moins rassuré de vivre un grand moment. Si vous en êtes certain que c'est vous... Alors, si vous êtes certain que c'est ce que vous voulez, alors j'en serai bien heureux. Lorsque vous aurez convenu d'une date, faites-le moi savoir, je serai à Pelagion, je me réjouis d'avance de vous revoir. Merci Seigneur, nous avons hâte. Ouais. Bon, ça c'est pas grand chose, hein, mais voilà. Toujours un peu de pognon et d'XP. Ok. Alors, je sais même pas combien j'ai d'XP, 3600 d'XP. D'accord. Il va peut-être falloir qu'on commence aussi à refaire des... Hein. Ok.
Nouvelle quête faite. Alors, bon, ça on peut pas y aller, hein, on le sait. Calaglia, il n'y a pas. Syslogia, il y a pas, on l'avait dit. Menantia, il y en a 3. Plus une à faire ici. Ah oui, la bibliothèque, évidemment. Et à Niez, on en avait un. Auberge, on avait un. Rendre des quêtes, tiens. Et là, on doit faire quoi? Ah, il est nué. C'est vrai. Bah, allons chercher celle de Niez. Parce que comme ça, on pourrait aller à l'auberge, la rendre en même temps. Apparemment, j'ai une quête à l'auberge. Je ne m'en souviens pas. Ça fait genre 800 ans que je dois l'avoir. Mais ce n'est pas grave. On s'en fiche. Ok. Des rugissements. Vous devez être très occupé avec toute cette opération à piloter. Oh, vous êtes l'ancien seigneur de la Menantia, c'est ça? C'est vraiment malheureux, ce Calmedera vous a fait subir. Je suis profondément désolé que nous n'ayons pas pu couper court à ces noirs desseins. Vous n'avez pas à vous excuser, mais c'est sûr que je sens particulièrement esselé depuis tout ça. Forcément, la disparition de Dedaim. Ouais, mais c'est pas grave, ce raciste ne me manque pas. Oui, on s'attirait pas mal d'ennuis, lui et moi, quand on était jeunes. À la moindre occasion, il fallait toujours qu'il fonce tête baissée. Je suis sûr que c'est ce qu'il aurait... Je suis sûr que s'il était encore là, il serait en train de s'affairer dans tous les coins comme à son habitude. C'est quoi cette histoire de régissement? J'ai reçu un rapport signalant des bruits bizarres en provenance de la forêt d'Esteluva. Un zeugle considérable se trouverait à cet endroit auparavant, mais nous sommes déjà occupés de lui. Oh, je ne savais pas. Alors ça doit être autre chose. D'après ce qui s'est dit, ces bruits pourraient être à l'œuvre d'un groupe de zeugles. S'il y a de nouvelles menaces dans cette forêt, il faut intervenir. Mais avec tout ce que j'ai à faire ici, je ne sais pas quand je pourrai. On va voir ce qu'on peut faire. Dans ce cas, laissez-nous nous soucier de cela pendant que vous restez concentrés sur ce que vous avez à faire. Bon, vous en êtes sûr? Absolument. Mais en retour, permettez-nous, lorsque nous reviendrons, vous nous régalerez à nouveau avec vos souvenirs de jeunesse. Marché conclu. Je m'assurerai que nous ayons de quoi boire et nous restaurer pour l'occasion. Ah, voilà qui me réjouit d'avance. J'ai hâte de découvrir les spirituels de cette contrée. Oui. Ok. L'auberge de Niez. Elle est là-bas, je crois. Et on va aller ensuite à la forêt. On a plusieurs trucs à faire dans la forêt. Ok, c'est bien là. Allons voir la quête à rendre. La quéquette. Et on aime bien les quéquettes. Où est la quéquette? Elle est là. Bonjour madame. On vous a apporté quelques réserves, ça sera suffisant. Bien quelle générosité, ça nous aiderait énormément. Je n'ai pas grand chose à offrir en échange, mais je peux vous enseigner la recette secrète de ma famille. Oh oui, le curry. Ça a l'air délicieux. J'ai hâte d'essayer. Mais ça n'a pas l'air trop compliqué à préparer en plus. Chionné. Qui ça là? Si c'est aussi simple que tu le dis, ça t'embarrasserait pas de me montrer? Sérieusement? Tu veux dire que tu commences à t'intéresser à la cuisine et non plus seulement à la nourriture? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tout ce que je veux, c'est remettre à sa place une certaine personne qui a osé critiquer ma façon de cuisiner. D'accord. Je vais te montrer, mais je te préviens, ça ne va pas être facile, tu te sens d'attaque? À ce point? Oui, je crois. Je suis prête à en baver. Mais tu me promets que tu me diras rien à tout ça à personne, hein? Je serais mieux être comme une carpe, mais en échange, il faudra que tu m'appelles capitaine à l'entraînement. D'accord, capitaine. Tu es censé dire oui, capitaine. Oui, capitaine. Et pas mon capitaine car c'est une femme. Voilà, maintenant on peut commencer. Je vois que tu as l'air un poisson frais qui sort tout juste de l'eau. Parfait, on va s'en servir. Oui, mais il n'y a pas de poisson dans les ingrédients de cette recette. Tu oses discuter les ordres de ta supérieure? Non, non, chef. Tu es censé dire oui, capitaine. Mais... Très bien. Alors. Bien, tu as réuni tous les ingrédients dont nous avons besoin. Alors plongeons dans les tranchées culinaires. Oui, capitaine. Oh, comme ça que tu tiens un couteau, toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec, soldat? Danser? Non, bien sûr que... Tu es censé dire oui, capitaine. Ouais, oui, capitaine. Ne te déconcentre pas. Augmente le feu. Fais bouillir cette eau. Pas le temps de niaiser. Oui, capitaine. Jamais le temps de niaiser. Dommage. Voilà, c'est prêt.
En effet, pour la saveur et la présentation, je te mets la moyenne. C'est pas mal, mais tu peux faire encore beaucoup mieux. Il va falloir que tu t'entraînes tous les jours. Est-ce que c'est bien clair? Oui, capitaine. Il va me falloir pas mal d'entraînement avant que, que ma cuisine ne soit parfaite. Mais un jour, je cuisinerai si bien qu'il me perdra son armure. Ah là 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 là. Toujours le petit, les petites piques avec Alphen. Okay. Tac, on doit aller dans les collines et dans la forêt. Deuxième sous-sol, d'accord. Et au niveau de la colline, ruine d'Adan. Ok, bah ça tombe bien, c'est pas très loin l'un de l'autre. Donc on va pouvoir le faire. Téléportons-nous là. Et ça c'est bien, que ce soit pas très loin. Les deux quêtes l'une à côté de l'autre, moi ça me va. J'aime bien quand les quêtes elles sont pas loin l'une de l'autre. Comme ça, ça va plus vite. Commençons par celle qui est là, déjà. Hop, en plus ici, ce sont des monstres relativement faibles qu'on va croiser. Bon, peut-être pas les nuées là, mais... Ah là là, ça va pas être un monstre faible celui-là. Ça va pas être un monstre faible. On va se faire une petite save. Histoire 2, hein. Vous savez, hein, les saves, la grande passion. On y va. On va voir, est-ce que niveau 54, tout ça, tout ça... À 42, ça va. On devrait s'en sortir. Alors attention, c'est un truc qui fait de la magie, cette saloperie. Ok. Si tu pouvais en tuer plusieurs, ça m'arrangerait. Voilà. Alors j'ai retrouvé comment on changeait de cible. Hein. J'ai lu les explications. Alors c'est LB plus une direction. Mais ça a l'air de plus changer le. Voilà, hop. Ça c'est bien parce que c'était même pas prévu, mais au moins. Hop. Tu peux le faire descendre ou pas? Oui, merci. Voilà, oh là 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 là, il prend tellement cher, Jackie. Hop, on va ici. À terre, voilà, oh oui. Merde. À terre. Ah non, ça a loupé. Des fois, ça ne marche pas. Oh là. J'avais pas prévu la petite charge qui me défonce. Sérieusement. Oups là. Oh dodo. Ah là là, je l'ai fait trop tôt. Yes. Allez. Voilà. Très bien. Aïe 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 aïe. Alors il est où? Il est là. Non. Ok. Pourquoi ça a pas marché? Allez, c'est parti. Moi je m'en fous, je vais spammer toute ma vie. Allez. Voilà. Alors, petit con. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, j'ai quand même réussi à le mettre au sol, ça va. Yes, encore au sol, très bien, voilà, c'est tout ce qu'on veut voir. Les noyaux brisés, tellement bien, voilà. Subi, subi. C'est tout ce qu'on veut voir.
On veut juste te voir subir, mon ami. Reste au sol, Eddie. Très bien. Allez, il a subi. Ah, on aime ça, voir subir les ennemis. Ah, nouvelle flore astrale, très bien. On aime ça. Ok. On peut descendre là. Hop là, on peut courir ici. Toi. Vendre, je vais te vendre des choses, voilà. Hop là, 20 000 d'argent, merci. Acheter, non. Est-ce qu'on peut créer des armes maintenant? Fabriquer une arme. Je ne peux toujours pas pour celle-là. Là, je peux pas. 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 Très bien. C'est pas grave. Oui, on va rester fort, t'inquiète. Du riz, c'est très bon. Le riz, mangez-en. Pas trop, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes intestinaux. Et oui. Allez. Deuxième sous-sol, on a dit. Hein. Okay. Bah, deuxième sous-sol, c'est parti. C'est bien, c'est que ça s'est activé maintenant. Donc on peut aller directement au deuxième sous-sol sans s'ennuyer. Et tabasser le zeugle. Ou les zeugles. Suivant ce qu'il y a. Après, attention, ils sont peut-être forts. Hein. On nous a dit où ? Hey, d'accord, il faut faire le tour par là. Hop là. Ah ! Cool ! On a de nouveau ça. Ah, il faut choir. Il faut choir depuis le premier sous-sol pour aller là. Ah, crotte, il faut retomber. Bon, on va retomber du premier sous-sol. Et si on a de nouveau le truc qui nous rend toute notre vie et tous nos PS, moi ça me va. Alors, c'était là. Je crois bien que oui. Non. C'était pas là. Allez, on remonte. Faut trouver le bon chemin. Ça doit être là-bas. Alors, c'est pas celui-là. Après, on peut regarder en dessous. Hein. Ça n'a pas l'air d'être celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Hop là. Vas-y, chienne. Mais non, ça va. Ça va le faire, chienne. Tu es la plus belle, de toute façon. Ok. Il y a un gros boss. Donc, vous savez ce qu'on fait quand... Non. Quand il y a un gros boss, on sauvegarde avant. Après, là, comme c'est pas un boss-boss, on peut toujours s'enfuir et revenir plus tard. Mais on va tenter de se le faire, ce petit con. Bonjour! Oula, ils sont deux. Sans level, 43, ça devrait aller. L'impitoyable. Ok, alors, tac, déjà. Ok. Voilà, oh, oui, oui, tabassez-le, oui. Ok. Oh, tiens, s'il te plaît. Merci. Oh là, qui s'est rapproché cher. Yes, voilà, celui-là est déjà... Ami life. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pas subi l'attaque de Dohalim. Très bien. Ok. Ok. Ok, allez. Hop. Allez, pourquoi... Il est à terre, chionné, merde.
En vite. Objet, fiole de résurrection. J'en ai plus beaucoup, il va peut-être falloir que je me calme aussi. Au sol, salaud. Voilà. Ouf. Kisara est morte. C'est pas très très grave. Merde ! Connard. Ok. Il fait une super attaque. Wow. On va faire des roulades, nous. Merde, tu meurs. Tenez. Oh merde, on est deux à être tombés. J'ai plus qu'une seule fiole de résurrection sur Shione. Peu de chance, elle va faire. Yes. Ah oui, mais c'est vrai qu'on joue tout le temps avec avec Alphen, donc on voit pas les autres attaques ultimes. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Oh là 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 là, il va falloir que qu'on change ça. Tout le monde a des attaques ultimes différentes, parce que c'est le meilleur jeu du monde. Encore une fois, des fois les ennemis subissent pas de dégâts, je sais pas pourquoi, ça m'énerve. Sérieusement. Ah, il est chiant avec son cri à la con là. Hop, merci. Voilà, hop. Oh, je vois rien. Pourquoi il est plus sous le pouvoir de Dualim là? D'accord, ça lui fait rien. Ça lui fait plus rien. Je sais pas pourquoi, mais ça lui fait plus rien. Très bien. Très bien. Hop. Zéro. Merci. J'aime bien quand ça fait ça. Allez, au sol. Voilà. Eh, ils sont chauds, hein. Et voilà. Ah, j'aurais dû changer de perso. Ok, nouvelle fleur astrale de gagner. Très bien. Voilà. On va pouvoir aller eh bien tabasser le boss niveau 41, on s'en souvient, ça fait très longtemps, très très longtemps qu'on doit l'affronter. Ok, alors, hop, première chose à faire, liste des lieux. Ganetaros, ça non, c'était pas là. Niez, port secret, le quai, c'est parti. Ah oui, les nuées, c'était lui, c'était au quai, c'est vrai. Rendons les quêtes et une fois qu'on aura rendu ces deux quêtes là, on va... Non, juste... On va rendre cette quête là et on va s'arrêter là. Comme ça, au prochain épisode, on rend la quête de l'autre et on fait tout le reste. Alors, vous êtes débarrassé de tous ces aigles volants? Absolument. On n'a pas laissé un seul s'échapper. Je confirme, à croire qu'il suffit de mettre en colère quand on veut se débarrasser d'une horde de aigles. Ne donne pas des idées, Alphen. Incroyable, merci infiniment. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. Oh là, oh là, oh là, du calme. Quand j'y repense, ils étaient plutôt mignons ces aigles. Ça me laisse un goût amer.
Ah, du pognon. Ah. Alors, je vois des trucs avec des balles. Moi, j'aime bien quand il y a des balles. Puissance plus augmentation de la capacité en munitions. Dernier tir. Il va vraiment falloir que je joue avec tous les persos. Hein. Vous savez quoi? On se fait... prochain épisode, on se le fait avec, avec Shione. Voilà, j'ai décidé. Non, c'est Shione et au combat. Alors, c'est ça et... Oh, non, c'est pas ça. Modifier. Changer de chef. Voilà. Voilà. Donc, au prochain épisode, eh bien, on se le fait avec Shione et on va voir pour faire un petit peu tout ce qu'on n'a pas fait avec les autres persos. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.